Il dit quand le peuple décide, c'est comme ça, ça se passe. Ce que vous voyez là, c'est à l'instant que là, je vous parle là. Ça se passe en Côte d'Ivoire. Le peuple s'est levé pour dire non. Non à l'humiliation. Non à cette abomination. Non à cette honte qu'ils sont en train de nous faire subir. Merci, merci, merci à ce peuple qui a fini par comprendre. Et j'appelle ici tous ces oubis. On va pas vous interdire à pratiquer votre abomination. Mais on va vous amener à être discret. Tout ce que nous demandons, c'est que vous soyez discret. Tout ce que nous demandons, c'est que vous respectez l'environnement. Parce que nous-mêmes, pour nous qui est normal, là, nous respectons l'environnement. On veut plus ces oubis qui vont venir s'exuber sur les réseaux sociaux en train de danser, bouger les baïas. On veut plus. C'est ça, on ne veut plus. Merci, 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 merci à tout ce monde qui est sorti. Franchement, quand j'ai vu ça, j'ai dit qu'on peut. On peut. Et regardez dans les jours à venir. Si les autorités n'ont pas réagi, vous changez mon nom. Merci à tous et le combat continue. Après les communes et quartiers fréquentés par les plélés ici à Abidjan, nous avons aussi détecté la présence de ces oubis dans d'autres villes de la Côte d'Ivoire. Notamment la ville d'Abouasso au quartier Sokoura, à Soubré au quartier Djoulabougou, à San Pedro au quartier Camp Militaire, à Yamsokro au quartier Marché et enfin à Bouaké au quartier Dar Salam. Ensuite, tous les maquis des villes, des communes, surtout à Abidjan, tous les maquis, vous les chefs de maquis, les propriétaires de maquis, de grands restaurants, n'acceptez plus que Woubi entre dans vos maquis. Les bars, si on voit Woubi, si les gens de ta commune entrent et puis voient les Woubi, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Vous allez fermer ce maquis là, vous n'allez pas croire. Voilà, nous sommes déchaînés, nous sommes motivés. Alors nous savons que vous, les propriétaires de maquis, vous allez nous rejoindre dans cette lutte. Voilà. Tu es garçon, redeviens garçon. Enlève ta perruque, enlève ton rouge à lèvres, parle comme un homme. Voilà. Tu t'assois, tu es garçon, tu marches normalement dans ce pays. Ta démarche est bizarre. Tu te joues les femmes, tu prends les pots cassés. Parce que tu fais la promotion. Voilà. Tu es un danger public. Les salons de coiffure là, où ces oubis qui tressent les gens là. Famille, repérez ces salons là. Ils doivent chasser tous ces oubis là de cet endroit. Jusqu'à ce que ces oubis là deviennent garçons. Je ne veux plus voir quelque chose qui ressemble à une promotion du Woubia dans notre pays. Partagez maximement cette information. Comme j'ai dit, chaque commune confectionne sa tenue. Ça peut être gilet, ça peut être t-shirt, main dessus, opération zéro Woubia en Côte d'Ivoire. Deuxième information, j'aurais appris qu'il y a un siège, une ONG qui a son siège à Angri. Tout à l'heure, je vais vous communiquer l'adresse. Va se mobiliser. Cette ONG qui soutient doit être délogée. Cette ONG qui soutient ce mouvement doit être délogée. On ne sait même pas s'ils existaient. Et voilà qu'ils existent. Et dans chaque commune, s'il y a une ONG signalée, voilà. Et on demande à cette ONG-là, vous avez 24 heures pour quitter notre pays. Si jamais vous persistez et qu'on tombe sur vous, c'est vous qui allez prendre les pots cassés. Hey! Savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous? Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces deux propositions et à demain, même heure, même chaîne pour de nouvelles découvertes.